Hello les amis, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Cook with me. Je partage avec vous la cuisine africaine. Ma recette de macabo râpé, sauce gombo, arachide grillé. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à rester jusqu'à la fin. Pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je vis au Cameroun, à Yaoundé, et je partage avec vous mon lifestyle camerounais. Donc pour faire notre recette de macabo râpé camerounais, macabo râpé, sauce d'arachide grillé gombo, nous avons besoin du macabo. Ça c'est le macabo déjà râpé dans la marmite, c'est pas moi qui ai râpé. Je me suis fait aider. Macabo râpé accompagné d'un peu de manioc pour que ce soit un peu dur. Et là, dans ce petit plateau, on a de la tomate, on a le poivron, le piment, poireau, persil. Voilà, persil, un peu de céleri. Et là, c'est le odium, feuille sèche de odium pour la sauce. On a les oignons. J'avais aussi prévu l'ail, mais j'ai pas mis là. Ici, on a le poivre blanc et le pebe. À côté, j'ai le gombo, puis le poulet. Le poulet que je vais découper, faire bouillir et faire frire au air fryer à la friteuse sans huile. Ce poulet-là m'a coûté 5500 francs. C'est une commande et c'est très gros, vraiment très gros. Et il nous faut aussi de l'huile pour le macabo. Dans cette recette-ci, on met de l'huile rouge. Et malheureusement, je vais utiliser les sachets blancs pour emballer parce que je n'ai pas pu avoir des feuilles. Les débuts de pluie ont détruit un peu les bananiers et je n'ai pas pu avoir de feuilles. Donc je suis désolée pour ça. Je vous prie de ne pas revenir dessus en commentaire car je suis consciente que ce n'est pas bien. J'avais déjà une partie d'arachide mais ma fille va griller une autre partie. Et ici je suis en train de tremper le gombo pour que ça dégive vite, parce que c'est un gombo découpé, écrasé et conservé au congélateur. Pendant que ma fille est en train de griller la quantité d'arachide à compléter sur la pâte que j'avais déjà, moi j'irai allumer le charbon. Je vais allumer le charbon avec l'alvéole de feu. C'est vous qui m'avez conseillé d'utiliser les alvéoles là pour allumer le charbon, que c'est moins toxique et franchement ça prend très bien. Pendant que le charbon est en train de prendre dehors, je vais venir découper mon poulet. Je vais découper, laver, assaisonner et faire mijoter un peu avant de mettre dans le air fryer. Je n'aime pas faire fouler au poulet sans laisser au préalable mijoter un peu. Je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas trop casser le poulet et voir que l'intérieur là est rouge dans l'os là. Voilà pourquoi quand je découpe, je fais toujours mijoter avant de faire frire. N'hésitez pas à me dire en commentaire les amis comment vous vous faites. Maintenant que mon poulet est au feu et que mon charbon a bien pris, je vais aller ajouter quelques morceaux de charbon et poser la marmite pour le macabo au feu. Je vais mettre cette marmite-ci avec un peu d'eau. Là, quand j'emballe le macabo, je viens juste poser dans l'eau qui est déjà chaude et ça va vite cuire. Je vais aller emballer le macabo avec les filles. Donc je vais verser le macabo dans une bassine plus grande pour que ce soit facile à pétrir. Dans la bassine, je vais mettre le macabo, de l'eau, de l'huile, puis je vais pétrir. Et pour ça, les filles vont m'assister. Nous allons le faire ensemble. Elles vont me donner les sachets et je vais emballer pour aller mettre dans la marmite. Comme je le disais encore en début de vidéo, je vous prie de ne pas revenir dessus. On sait tous que c'est toxique, mais hélas, c'est pas tout ce qu'on fait au quotidien qui est bien pour la santé.
Une fois notre macabo au feu, je vais venir nettoyer tout ce que j'ai utilisé pour découper le poulet. Parce que j'avais abandonné ça, j'ai mis le poulet au feu et je suis allée me dépêcher pour mettre le macabo au feu. Parce que le macabo met beaucoup de temps au feu. Vaut mieux le laisser au feu avant d'évoluer sur quoi que ce soit. Donc je vais laver ma planche à découper, mon levier, le plan de travail, je vais tout nettoyer. Tout ce qui a éclaboussé là pendant que je faisais le poulet, je vais nettoyer parce que pour moi, c'est mieux de nettoyer en évoluant pour éviter d'accumuler la saleté et les odeurs et contaminer autre chose. Ensuite, je vais venir enlever les pulpes sur les arachides que ma fille a grillées pour pouvoir écraser. Et voilà, notre poulet a mijoté. J'ai enlevé le feu et maintenant je laisse refroidir. Je vais enlever et laisser refroidir. Je vais vérifier le macabo, comment ça évolue. Ensuite, je viens écraser les arachides. Parce que c'est mieux de tout écraser avant de brancher le air fryer, vu que j'ai une seule prise à la cuisine. C'est vrai qu'il y a une multiprise au sol là que le congélateur et le frigo utilisent, mais se courber, c'est pas trop mon truc. Donc je préfère venir là, écraser les arachides, finir avec, écraser tous mes condiments que j'avais prévu, finir avec, et mettre le air fryer en marche pour faire frire le poulet. Et pendant que le poulet fait frire, je peux faire autre chose ou me reposer. Donc c'est comme ça que je m'organise pour vite évoluer en cuisine. Alors les amis, merci à vous tous d'être présents sur ma chaîne, de regarder les vidéos jusqu'à la fin, de liker et de me laisser un commentaire. Merci aux nouveaux qui arrivent de plus en plus. La chaîne s'agrandit. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on ira plus loin. N'hésitez pas à partager autour de vous car si à vous ça a plu, ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Je sais que je reçois beaucoup de reproches quand je fais des vidéos de cuisine parce que je peine à partager la recette avec les quantités exactes. Je voulais dire vraiment, moi je fais à l'œil. Je ne suis pas un chef en cuisine. Je suis une maman qui partage avec vous son expérience. Voilà. Je vous invite à regarder et à ne pas hésiter à me poser des questions pour qu'en commentaire qu'on puisse compléter. D'avance, merci à vous. Merci à vous tous d'être là. Maintenant que j'ai fini d'écraser tous mes condiments, je vais débarrasser et réduire un peu la quantité de saleté qu'il y avait sur le plan de travail et venir poser mon air fryer pour le poulet. Vous avez été nombreux à me demander si ça consomme beaucoup. Oui, ça consomme, mais pas beaucoup. Quand on évalue les quantités d'huile, le gain de temps, vraiment, je le trouve meilleur. Parce qu'il faut toujours faire la comparaison par rapport à quoi on trouve que c'est coûteux de l'avoir. En fait, pour moi, c'est ça. Maintenant que j'ai enlevé mon poulet de la marmite, je vais réserver l'eau du poulet pour faire la sauce. Et je vais venir ranger les poulets dans le bac du air fryer. C'est vrai que mon air fryer n'est pas très grand, mais ça prend quand même. C'est 3,5 litres, donc ça prend quand même.
Pendant que je faisais tout ça, mon macabo était dehors en train de bien cuire. Le charbon va très vite et le macabo ne met pas trop de temps comme on le pense. Le macabo peut faire un maximum de 45 à 1 heure de temps au feu. Mais il est toujours mieux de le laisser au feu jusqu'à ce qu'on termine la cuisine, même après les 1 heure de temps, pour éviter que le macabo ne gratte. Donc maintenant que tous mes condiments sont découpés et écrasés, le macabo est en train de cuire, le air fryer est en train de faire fouler le poulet. Je peux me poser avec les filles et on papote un peu, le temps de patienter et évoluer dans notre cuisine. Elles étaient en train d'intriguer les petits pieds qu'il y avait sur mon bandeau de grossesse et on était en train de rire et passer un petit temps entre filles. Et de temps en temps, je vais venir tourner mon poulet pour que ça puisse cuire de tous les côtés. Quand j'utilise la fourchette comme ça dans mon air fryer, franchement, je fais très attention de ne pas gratter les parois. Maintenant que j'ai très bien évolué avec le poulet jusqu'à il reste juste le dernier tour, je vais venir mettre la marmite au feu, verser l'eau du poulet là, mettre les condiments que j'ai découpés, mettre la tomate, tout ce que j'ai écrasé et laisser bouillir, laisser cuire. Je n'ai pas eu besoin de mettre de l'huile pour tout faire frire parce que les arachides ont l'huile, le poulet a l'huile, l'eau du poulet a l'huile. Donc quand tout ça va bouillir, je vais venir mettre les arachides. Je n'ai plus vraiment eu besoin d'ajouter l'huile les amis, pour moi c'était suffisant. Donc je vais mettre la pâte d'arachide et laisser tout ça bien bouillir, se mélanger et former ma sauce d'arachide. C'est après que je viendrai mettre le gombo et ce sera terminé. Bon, pour récapituler, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la marmite au feu, j'ai versé l'eau du poulet à l'intérieur, j'ai mis tout ce que j'ai découpé comme oignon, poireau, j'ai mis les tomates que j'ai écrasées avec les épices, j'ai laissé bouillir, ça a un peu séché. Je suis revenue ajouter un peu d'eau avant de mettre ma pâte d'arachide. Je n'ai plus ajouté de l'huile. Ensuite, j'ai mis du sel et j'ai tout laissé bouillir. Voilà notre sauce qui est en train de bouillir pour bien cuire. Il faut que les arachides cuisent bien. Entre temps, notre poulet aussi est déjà prêt. Quand je mets le poulet que j'ai fait mijoter un peu dans le air fryer comme ça, je mets à 180 degrés et je mets 10 minutes. Après 5 minutes, je retourne le poulet, je remets et à la fin des 5 autres minutes, je retire. Vraiment, le poulet est bien frit. Bien, surtout quand c'est bien assaisonné là, c'est très bon à manger. Je ne vais pas mettre tout le poulet dans la marmite. Je vais diminuer une quantité qui va me servir pour le goûter des enfants. C'est toujours comme ça que je fais. Quand je fais poulet ou poisson, je prends une quantité que je mets de côté. Maintenant que notre sauce d'arachide a bien bouilli et l'arachide est bien cuit, ça a même bouilli jusqu'à se verser sur la cuisinière, vous voyez, je vais venir mettre le gombo dans la marmite et tourner avec une louche en bois. La louche en bois garde le gombo bouillant, les autres louches la découpent un peu trop le gombo. Ensuite, je vais mettre un peu le poulet à l'intérieur, je vais laisser tout ça cuire. Quand on met le gombo, généralement ça ne met plus beaucoup de temps au feu. Voilà pourquoi on met le gombo quand la sauce est déjà bien cuite. À la fin de la cuisine, j'ai débarrassé mon plan de travail, j'ai lavé tout ce que j'ai utilisé, bref pas tout. J'ai lavé juste le air fryer et le mixeur. Les autres ustensiles, j'ai rangé dans la bassine et j'ai mis de côté pour une autre fois. Je n'aime pas trop laisser mon mixeur et mon air fryer sales. Donc je préfère laver après utilisation ces appareils-là et laisser égoutter. Ça, c'est le poulet que j'ai conservé.
Bon, j'ai pas tout mis dans la mamie, je mets ceci de côté. On peut encore manger un peu avant de garder l'autre pour le goûter des enfants. Et je me suis fait également une petite réserve d'eau avant de passer à table, avant de passer au service. On va se servir, les filles et moi, puisque papa n'était pas encore là. On va manger et cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, les amis. N'hésitez pas à commenter, à partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!